Comment se remettre en forme après 50 ans ? Aujourd'hui, j'aimerais vous offrir une routine de juste 15 minutes pour vous donner envie de bouger et de garder le sourire. On se retrouve juste après ça. Préparez votre tapis. On va commencer avec 5 minutes de cardio, faisant suivre avec 5 minutes de renforcement musculaire et ensuite, on passe à des étirements. Vous pouvez utiliser des poids ou vous pouvez ne pas utiliser des poids. On est parti ? Alors, on marche sur place, les bras sont détendus. On va commencer par allonger la posture, s'étirer, le sommet de la tête vers le ciel et le dos qui s'étire et qui s'allonge. On veut toujours aller dynamiser nos abdominaux en contractant nos abdominaux. On respire, on souffle, on resserre le ventre. Donc on va ouvrir les jambes sur le côté, être plus dynamique, toujours en engageant bien les abdominaux, en étirant la colonne. Et on va amener les bras en avant et tirer les coudes vers l'arrière. J'ouvre les doigts, je ferme les poings en allant vers l'arrière. Beaucoup d'énergie dans les bras. Si ça devient trop dur, on laisse tomber les bras, on continue avec les jambes. On y va toujours à son rythme, on respecte son rythme. Et on est parti pour le côté maintenant, je vais pousser sur le côté. Toujours en ouvrant et en fermant les doigts pour avoir plus de dynamisme. On continue pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'y vais une fois devant, une fois sur le côté. Devant, côté 2, 3. On garde l'énergie dans les jambes, 4. 5, on veut faire travailler notre cardio, c'est important. 6, 7, 8, 9 et 10. On continue avec les talons-fesses. On fait bien attention d'engager ses abdominaux. On veut vraiment se botter les fesses. On respire, on ouvre bien les épaules. À nouveau, les bras. Avec les bras, on travaille plus le cœur. Alors, on veut vraiment pomper ici. On veut travailler ça, c'est important de travailler le cœur. C'est un muscle. On continue pour 4, 3, 2 et 1. Même principe, on va sur le côté, on pousse. Et on continue pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Une fois devant, une fois côté. Ça nous fait travailler un peu la coordination. On y va pour 3, 4, 5, 6, vous devriez avoir chaud maintenant, 7 et 8, 9, dernier 10, on va pomper vers le haut et plus on monte les bras au-dessus de la tête et plus on travaille le cardio. Ça sent, je commence à avoir moins d'air, alors on respire, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On va amener un genou vers le haut et on va tourner le buste vers le genou opposé. Coude genou opposé. On continue en travaillant un peu les rotations de la colonne. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On rajoute les bras vers le plafond. Même principe. Rotation de la colonne. On continue pour 8, 7, 6, 5, 4, on serre bien les abdos, 3, 2 et 1. Très large, maintenant au niveau des jambes et les bras s'étirent et s'ouvrent. Toujours beaucoup d'énergie et de dynamisme. On y va pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, allez aussi large que votre tapis. Dernier, et on reste, jambes très ouvertes, rotation externe, fléchis et tends, fléchis, tends, fléchis, tends. On continue avec les bras, hop, et on veut chercher à ouvrir les genoux vers l'extérieur. On veut pousser dans les petits orteils pour aller travailler les fessiers et l'extérieur des cuisses. On continue pour 8, 7, 6, beaucoup d'énergie dans les bras, 5, 4, on veut pomper, 3, 2, 1, on reste avec les bras dans les airs si c'est possible, si c'est trop dur, main aux épaules ou aux hanches, et on fait des petits pompés. On pousse les genoux vers l'extérieur, on continue, on allonge le dos, on serre les abdos, on veut vraiment aller rentrer le ventre, allonger la posture, tirer les bras, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2 et 1. Placez vos mains aux hanches. On lève un talon après l'autre. Si l'équilibre vous manque, placez votre main sur une chaise, le mur à côté de vous. On continue, j'ai les genoux bien fléchis, les genoux bien vers l'arrière. Le dos bien long, les abdominaux engagés. On continue d'alterner un talon à la fois. On respire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On plie davantage et on tend. On ramène les deux pieds largeur de notre bassin et on s'en va faire un beau squat. Les fesses en premier en arrière et on tend, on lève les talons. Fesses en arrière, on tend, on lève les talons. On reprend 4, 3, on travaille un petit peu l'équilibre, 2 et dernier. Good. On prend un peu d'eau. Si vous aimez cette séance, retrouvez tous mes cours de Pilates tonique sur ma nouvelle plateforme de vidéos à la demande. Alors, avec ou sans les poids, j'ai des poids d'une livre qui représentent à peu près 500 grammes. Vous pouvez aller jusqu'à 1 kg, puis peut-être plus si vous êtes confortable. Donc, on va travailler sur le renforcement musculaire des bras en premier. Les genoux sont fléchis, on est légèrement en avant. On fait bien attention de ne pas avoir le dos arrondi. On tire nos fesses en arrière et on serre les abdos. On tend les bras devant et on va tirer les coudes vers le plafond. On y va. Hop, je mets le minuteur. En route pour 5 minutes de renforcement musculaire. 10, 9, 8, 7. Coulissez les bras pour vraiment aller donner l'énergie au niveau des omoplates. On veut aller renforcer la ceinture scapulaire. 4, 3, 2 et 1. Toujours les fesses bien en arrière, le dos bien allongé, les abdominaux. On rentre un peu le menton, on tend et on fléchit. On fait attention de ne pas faire un mouvement de « je balance ». Même si vous n'avez pas de poids, vous pouvez faire ces exercices. Prenez le temps d'allonger vos muscles et d'étirer. Allez, on y va à partir de maintenant pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ça peut être dur pour le dos puisqu'on travaille aussi les muscles du dos dans cette position. On va donc arrondir le dos, détendre et remonter. Installez-vous face à moi, les deux pieds un petit peu plus larges que les hanches, le dos toujours bien allongé, les genoux un petit peu assouplis pour pouvoir avoir le dos plus étiré et allongé. On va aller lever les bras avec ou sans poids encore une fois. On y va progressivement. On fait 3, 2, 1, un temps pour abaisser. 3, 2, 1, un temps pour abaisser. 3, 2, 1. On veut toujours allonger et étirer les bras au loin. On veut des bras étirés, allongés, fuselés. On continue. 3, 2, 1. Un temps pour abaisser. 3, 2, 1. Un temps pour abaisser. 3, 2, 1. Houp. 3, 2, 1. On va rester en haut au prochain. On va maintenir la position. On va juste tourner les poignets de dedans vers l'arrière. En dedans. En dehors. Donc c'est une rotation interne et externe des bras. On maintient bien les épaules dégagées. Ça peut sembler lourd même avec des poids légers. Donc on se débarrasse des poids si c'est trop difficile. Et à partir de maintenant, on y va pour 10. 9. J'aime travailler les petits muscles qui stabilisent les épaules et qui permettent de ne pas avoir de problème justement au niveau des épaules et au niveau du cou. J'ai perdu le compte, alors on continue pour 4. 3. 2, et au prochain, on va garder les bras. Je sais que ça commence à être difficile. Fléchis, étends et allonge. 2, on garde le sourire, on engage toujours les abdominaux. On étire toujours la colonne. 3, 4, 5, on se grandit, on gaine. 6, on souffle et on rentre le ventre. 7, 8, 9, on garde une belle énergie, un beau sourire, vous pouvez être fiers de vous. On continue avec les bras tendus et on lève et on abaisse en gardant les épaules bien basses, en serrant toujours bien fort les abdos. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. 4, 5, good, on continue, on lâche pas. 6, 7, 8, 9, 10 et on redescend tout doucement. Donc on va reprendre nos squats avec les deux pieds à la largeur de notre bassin, travailler à la fois les bras et les jambes et les fessiers. Donc on descend tout doucement les fesses en arrière, on serre les abdominaux,
On engage, on lève les talons, on lève les bras au niveau de la poitrine et on redescend. On y va pour 8 de plus. On descend, on lève les talons, on lève les bras. 2. On descend, on serre les abdominaux, on étire la colonne. 3. On continue ensemble. Et lève les talons, lève les bras. 4. Et 5. Amenez bien vos fesses en arrière. Poussez bien sur vos orteils. 6. On continue. 7. Au huitième, on va rester en haut. J'ai toujours les talons levés. Si c'est trop difficile, on garde les talons à plat. On va ouvrir les bras en contrôlant notre mouvement pour ne pas creuser le dos. Et on revient. 1. On ouvre. On travaille l'équilibre. C'est vraiment important de travailler l'équilibre et la proprioception. Avec l'âge, on perd l'équilibre. Et souvent, c'est à cause de ça qu'on se blesse en tombant, en glissant. Alors nous, au Québec, l'hiver, c'est vraiment assez intense. C'est pour ça que c'est doublement pour nous important de travailler l'équilibre. Mais vous allez voir qu'on travaille les abdominaux dans cette position-là, parce que tous les muscles profonds des abdominaux soutiennent au complet notre colonne et notre posture. On y va encore pour une dernière fois. On abaisse les bras, on abaisse les talons. Beau travail. On reprend les bras au-dessus de la tête, toujours avec ou sans les poids si c'est trop difficile. On lève un genou, on ouvre et on revient. On continue de travailler avec l'équilibre. Et on y va pour 10. 9. On travaille les bras, les jambes, l'équilibre. Et 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Test d'équilibre, on reste dans la position. On maintient et tout doucement, on tourne le buste vers la jambe fléchie. On revient vers moi. On repose les bras et la jambe. On lève l'autre jambe, on lève les bras en T. On tourne vers cette jambe fléchie. On travaille de la colonne vertébrale, des obliques, de l'équilibre et on pose. On le refait encore une fois de chaque. On lève, on se grandit, on allonge, on serre les abdominaux. On tourne le buste. On revient, on repose les bras, encore, on étire, on se grandit, rotation de la colonne, on revient vers moi, on pose et on relâche. On va enrouler la colonne vertébrale tout doucement, menton vers la poitrine, on enroule le dos, on va laisser poser nos poids au sol et on va s'installer. Tout doucement, la tête détendue et relâchée. On va tendre les deux jambes et fléchir les deux genoux. On va commencer donc un petit peu d'étirement. Fléchis, étends les jambes en relâchant bien la tête. Fléchis, tends les jambes. Fléchis, tends les jambes. On veut avoir zéro douleur dans le bas du dos. Donc on fléchit et on tend surtout autant qu'on est confortable. La tête relâchée, les épaules détendues. On va fléchir les genoux et tout doucement placer nos deux mains au niveau des cuisses. On y va pour le dos. On a le dos qui creuse et on avale le ventre. On a le dos qui s'arrondit. On inspire, on a le dos qui creuse. On expire, on arrondit. On continue. On inspire, on expire, on arrondit. On inspire, on expire, on arrondit. On inspire et au dernier, on va rester dos rond. On va relâcher la tête, on enroule et on déroule tout doucement le dos. Étirez vos bras vers le plafond, vers le ciel. Grandissez, grandissez. Restez dans la position. Allongez la colonne, serrez les abdominaux. Tirez un bras vers le ciel et poussez-le vers l'arrière. Relâche. Ne laissez pas cambrer le dos. Gardez l'énergie au niveau des abdos. Tirez l'autre bras. Poussez vers l'arrière et relâchez. Gardez la tête bien alignée. Tirez au maximum les deux. Grandissez-vous. Poussez les coudes au maximum vers l'arrière et relâchez. On garde les deux pieds plus larges que les hanches, comme vous voyez par rapport à la largeur de mon tapis. On va fléchir nos deux genoux. On va placer nos deux mains sur les cuisses. On va arrondir le dos. On va relâcher la tête. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale. À nouveau, on va tirer un bras vers le ciel. Cette fois-ci, on va aller s'étirer sur un côté, remonter et se grandir. On fait la même chose de l'autre côté. On respire et on s'étire. Et on remonte. Ensemble, on prend une belle respiration. On va se féliciter. Vous pouvez être très, très fier de vous. Bravo. Mille merci de m'avoir accompagné pour cette remise en forme express de 15 minutes. Et si vous avez envie de plus d'exercices, de plus de séances avec moi,
découvrez ma nouvelle plateforme de vidéos à la demande. À très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.